Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo catalogue de publicité où ben, je regarde un petit peu avec vous ce qu'il y a dans ce catalogue. Alors, je vous préviens tout de suite, il va y avoir des bruits de claquement un petit peu dans cette vidéo puisqu'il y a énormément de vent et que mes volets, on ne peut pas couper ce son. Puisque je voulais filmer cette vidéo aujourd'hui pour la vous poster, pour vous la poster aujourd'hui, pour que vous puissiez bah, voir si ces promotions vous intéressent. Après, je ne suis pas sponsorisée, moi je fais vraiment ça pour partager avec vous. Donc, bah, ceux que ça n'intéresse pas ou ceux que ça gêne, n'hésitez pas à partir de la vidéo. J'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourront vous intéresser. Donc ici, nous sommes sur un catalogue Lidl, donc avec différents produits. Je voulais vous présenter. Donc déjà, là, pour cette fin de semaine, il y a de la viande, donc moi, je ne vais pas l'acheter. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a donc des paupiettes de porc, des saucisses de Toulouse, de la viande hachée, des chipolatas, et puis d'autres choses en bas, mais tant pis, vous les verrez pas ce matin. On a donc toujours de la viande, du poulet, des crevettes entières, un filet de saumon entier. Donc voilà, ça c'est des produits que je sais que je ne vais pas acheter parce que c'est pas des produits que je mange puisque je mange pas de viande. Ou alors ça, ça m'intéresse pas en ce moment. Ici, on a des oranges à dessert XXL. Donc c'est plus trop la saison des oranges, donc je ne pense pas en acheter. Ça, ni les mandarines, les avocats, ça dépend lesquels, il y en a qui peuvent être bien ou pas, donc à voir si j'en prends pour 79 centimes. Ici, on a une barquette de jeunes pousses. Moi, c'est pas ce que je préfère acheter parce que je trouve ça très cher pour pas forcément grand chose, donc du coup, ça ne m'intéresse pas. Alors, ici, on a des jambons, donc Serrano et tapas espagnol. Donc voilà, moi je mange pas de viande, mon amoureux déteste ce genre de produit, donc on n'en achètera pas. Ça c'est sûr. Et ça je pense que c'est valable qu'aujourd'hui. Ensuite, valable qu'aujourd'hui, on a des olives vertes entières. Ça peut éventuellement m'intéresser. Après Lidl, ils en ont tout le temps, ils en ont pas que maintenant, donc à voir. Le gazpacho, c'est pas trop mon truc, donc non. Olives noires dénoyautées, olives aux anchois, c'est parce que je préfère les aux anchois, donc non. Et les noires dénoyautées, pourquoi pas, ça par contre, ça peut éventuellement m'intéresser parce que ça c'est le genre de choses que j'utilise dans des cakes aux olives, comme celui que je vous avais montré, le cake salé que je vous avais montré l'autre fois. Ici, donc on a de l'huile d'olive vierge extra, donc moi j'en ai déjà, donc j'ai pas besoin de racheter. Du thon à l'huile de tournesol. J'en achète quasiment jamais, donc non. Et puis surtout, lui à l'huile. Des calamars. Alors ça pourrait m'intéresser, mais c'est quoi? Ah, l'escabèche. Je sais pas du tout. C'est peut-être une épice. Franchement, j'avoue, je connais pas du tout. Donc ça va falloir que je me renseigne avant de voir si j'achète ou pas. Ici, filet d'anchois à l'ail au persil. J'aime pas ça. Ici, cœur d'artichaut. Je déteste ça aussi. On aperçoit les moules marinées piquantes qui ne m'intéressent pas. Les calamars à la romaine, ça mon amour aime bien, mais moi j'aime pas, ça fait trop de friture. Et les filets de sardines à l'huile d'olive, moi j'aime pas vraiment ça. Donc ça coûte pas grand chose pour moi. Alors ici, des patatas bravas. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Ah, la sauce tomate aux oignons, ça peut m'intéresser. À voir la composition, s'il n'y a pas trop de sucre. Ça pourrait m'intéresser, pas pour servir de base, pour faire une pâte à une pizza, ou pour servir, pour faire des... Comment ça s'appelle déjà? Des sauces tomates avec les pâtes, etc. Donc vous entendez le vent qui souffle. C'est la tempête comme d'habitude, à
parlant par exemple d'un flambi ou des flans au caramel de cette famille-là. Ben alors là, je sais pas. Donc, je connais pas. Les churros, je sais pas si surgelés comme ça, ça doit être c'est bon. Donc, pof pof. Les viennoiseries espagnoles, je connais pas. Madeleine espagnole, je connais pas. Ici, on a un jus de mandarine pressé. Moi, je préfère vraiment le jus d'orange. De l'alcool, ben, c'est pas ce que je bois. Parce que j'aime pas ça. Donc, ça m'intéresse pas non plus. Alors, maintenant, spécial Portugal, produit portugais. Donc, une sauce au piment fort. Oulala, ben non, parce que c'est trop piquant pour moi. Du chorizo, c'est de la viande. Donc, non, de l'huile d'olive du Portugal. Ben, pareil, j'ai déjà de l'huile d'olive, comme je vous disais. Mais bon, voilà. Alors, un filet de morue. Bof, j'ai pas spécialement envie d'en manger en ce moment. Les acras de morue non plus. Après, des tranches de porc, ben, j'en mange pas. Des lupins cuits. Alors, les lupins, je sais plus si j'aime ça ou pas. Mais ça, je sais que ça fait partie des légumineuses. Oui, c'est ça. Pas des légumineuses, tout comme le haricot, le pois ou encore le soja. Donc, nourrissante, riche en protéines. À déguster à l'apéritif ou à ajouter dans vos salades. Je me demande si je vais pas en acheter ça, si j'en trouve. Si je vais à un magasin aujourd'hui. Pour justement tenter dans une salade ou quelque chose comme ça. Les pois, je sais pas, ça j'en achète déjà super souvent. Et de la bière, ça m'intéresse pas, j'aime pas donc. Mais oui, ça éventuellement peut-être dans une salade. Et puis les pois chiches, ce serait pour mettre soit dans une salade, soit avec une sauce genre tomate. Alors, ici, on a les chocolats de Pâques. Donc le Kinder Maxi Surprise, ben j'ai pas trop l'âge donc non. Surtout vu le prix. Les Kinder Chocolat. Ça, à voir. Kinder Lapin, pareil, à voir. Alors, je rappelle pour ceux qui suivent pas ma chaîne que moi j'ai 29 ans, donc j'ai plus l'âge, entre guillemets, parce que chacun fait bien ce qu'il veut de ce genre de choses, mais si j'ai envie d'en acheter, je m'en achèterai. Donc, la boule en chocolat et les figurines et le lapin en chocolat, à voir. Après, j'essaye de manger moins de chocolat ces derniers temps, donc je suis pas sûre d'acheter ça. Ici, on a encore des moulages en chocolat, amandes chocolatées, sucettes en chocolat. Ah, les chocolats à l'amande, par contre, ça j'adore ça. Donc, ça, c'est un peu le genre de choses que j'achète. Les pâtes de fruits, je détestais ça. J'en ai jamais remangé depuis plus de 20 ans, donc c'est certainement pas aujourd'hui que je vais tester. Les pralines et liqueurs, bah non. Et les œufs, masse pain. Alors, ça, c'est au marzipan, donc à la. Pâte d'amande, ça, j'adore ça. Donc, 1€, 100 grammes, c'est quoi? C'est un méga œuf marzipan. Si c'est ça, je vais peut-être en acheter. Parce que pour le prix. Ouais. Alors, c'est sûr que ce sera pas la qualité de ceux qu'on trouve en Allemagne. Je sais plus quelle région en Allemagne les fabrique. Mais je sais qu'en Allemagne, il y en a qui sont super. La mozzarella XXL. Alors, ça, c'est possible que je l'achète parce que la mozzarella ici, moi, j'adore ça. Et mon amoureux l'utilise pour les pizzas. Donc, ça. C'est possible que j'en achète. Moi, cette semaine, j'ai fait une salade avec de la mozzarella, donc ça peut m'intéresser. Les bâtonnets de surimi, non, ça nous a passé. Ça, c'est le genre de choses qu'on achetait quand on était étudiant et jeune adulte, mais maintenant, on n'en achète plus trop. Hein, parce qu'on n'aime plus trop le goût. Poulet, nature, ni nous, ni un ni l'autre n'en mangeons. Pareil pour ça, pareil pour ça. Les olives à l'ail ou au fromage. À l'ail, j'ai peur qu'il y en ait trop. Et au fromage, j'ai jamais mangé d'olive. Je sais pas si vous en avez déjà mangé, mais moi jamais. Donc, bof, ça me tente pas trop. Ici, il y a du jambon. Moi, j'en mangerai pas. Et mon amoureux, il préfère le jambon de poulet. Donc, c'est pas bon non plus. Alors, les cordons bleus halal, on n'en achète pas. Les nems au poulet, on n'en achète pas. Parce que ni l'un ni l'autre ne mangeront ça. Le tagine ou le couscous format familial. Ça va être des plats avec de la viande. Donc, non, après, qu'est-ce qu'il voulait mon amoureux manger déjà? Non, c'était une choucroute, donc rien à voir. On n'en achètera pas, je pense. Gratin savoyard à l'emmental. Non, merci. Le burger pavé montagnard. Non, merci. Pizza 4 fromages. Moi, franchement, maintenant, je préfère me faire des pizzas au fromage maison. Parce que c'est meilleur. Et puis, je peux mettre aussi du coup des légumes. Donc, non. La bouillabaisse. Alors, ça, c'est un truc que j'en ai jamais mangé. Donc, je ne sais pas vraiment si j'aime ça ou pas. Mais je ne vais pas tester aujourd'hui. Je ne sais pas. C'est pas un truc qui me tente. Faites prix. Pâte brisée ou feuilletée. Est-ce que j'en ai besoin en ce moment? Je ne sais pas. Je vais m'en acheter.
ceux qui sont en polar.